Merci. Merci d'être là à nouveau. C'est un grand mur, un grand océan de sourires et il n'en faut pas moins que ça pour accueillir les enfants. Vous connaissez l'émission, bien sûr. Si vous ne la connaissiez pas, vous seriez impardonnable. Voici donc, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, voici l'école des fans. Avec... aujourd'hui, mademoiselle Anne Suzy, qui aime beaucoup m'entendre chanter, et je ne sais pas pourquoi, ça te fait rire quand je chante? Tu veux que je chante pour toi? Voici Anne Suzy, brusquement, dès que le rideau s'est levé, elle est devenue timide. Lève la tête, tu es une jolie fille. Lève la tête, les jolies filles lèvent toujours la tête. Et ne rougissent pas. Voilà, c'est Anne Suzy. Merci de l'accueillir. À côté, avec un visage, mais tellement heureux. Ah, tu dois être heureux dans la vie, toi. Et puis des dents formidables. Et avec l'écart du bonheur. Tu as les dents du bonheur, fais-moi voir. Oui, tu as les dents du bonheur. Je te souhaite du bonheur toute ta vie, mais de toute façon, il s'appelle Antoine, celui-là. C'est Antoine. À côté d'Antoine, la ravissante Jennifer. Bonjour, Jennifer. Et puis, à côté de Jennifer, ce très beau garçon, avec qui j'ai eu une longue conversation sur les élections. Je ne vous dirai pas quel est son sentiment. Ce garçon s'appelle Michael, un prénom que porteront beaucoup de Français de son âge. Et puis, on terminera par toi. Parce que, non seulement tu portes un prénom de princesse, mais tu portes la couronne. Tu n'as pas trop chaud? Non. Vous savez comment elle s'appelle? Elle s'appelle Anastasia. Et puis... bien sûr, il y a les musiciens, il y a Robert Kibel, il y a Monsieur Pinot Latouka. Et puis nous sommes aussi, et j'en aurais terminé, nous sommes tout fêtes, tout heureux, parce que pour la première fois, nous accueillons à l'école des fans un garçon dont je vous ai dit tout le respect, l'admiration et la tendresse que je lui porte, et que vous lui portez d'ailleurs, Renaud. Alors, déjà 10 points. Mais tu vas voir. Tu vas entendre tes chansons interprétées d'une autre façon. Oui, j'imagine. Ça va surprendre. Mais ça prouve beaucoup d'amour. Ça prouve qu'il a fallu les apprendre. Ça prouve que la famille avait le disque. Ça prouve que dans chacun des foyers de ses enfants, Renaud est un copain. Et je trouve que c'est pas trop mal parce que les chansons ne survivent que si les familles et si les gens les chantent. Pas seulement l'artiste, non ? Eh oui. Georges Brassens disait la chanson, c'est une lettre à un ami. Ça fait plaisir de savoir qu'on a des petits amis de 4 ans et demi. Et des gens qu'ils ont. Et puis tu vas voir, les grands chantent bien aussi. Ils sont un peu plus timides. Les enfants chantent vraiment pour leur plaisir. Les parents, il faut que j'aille un peu les chercher. Hein. Mais en principe, j'y réussis. Je sais que tu es un peu un père gaga. Hein. Je suis un peu gâteux, oui. Complètement gâteux, oui. Devant ta fille. Et puis j'ai vu, elle est superbe. J'ai obéi au doigt et à l'œil. Oui, mais j'ai vu. Hein. Elle ne voulait pas que je fasse cette émission. Oui. Elle est jalouse. Elle est jalouse. Et non, je veux pas que tu aies des petits-enfants qui t'aiment, qui chantent tes chansons. Il n'y a que moi qui t'aime. Alors, comment elle s'appelle? Lolita. Alors, écoute, Lolita, je t'assure que c'est très bien que les enfants aiment ton papa, parce que ça prouve qu'ils l'ont reconnu. Ils savent que c'est un ami des enfants. Et puis j'aurais... toi, Lolita, tu aimes bien Mike Giver. Je suis pas jaloux. Oui, oui, ah, c'est vrai. Bah alors. Ben oui. Elle aime le plombier? Le plombier de luxe? C'est le premier homme qui est rentré au-dessus de son lit dans sa chambre en poster. Il m'a détrôné. Et tu sais que si jamais un jour il débarque dans ton appartement, il peut être très utile, il répare tout, ce garçon. Oui, oui. Tu as remarqué? Oui. C'est fou ce que c'est utile d'avoir MacGyver dans sa vie. Eh bien, tu oublies que tu es une vedette et tu redeviens le petit garçon. D'accord. Que tu étais à cet âge-là. Et puis remarque, je voudrais te faire remarquer, il n'y a pas quelque chose qui te frappe, là? Si, si. Non, là, regarde bien ces enfants. Regarde.
Ça, c'est le foulard de Renaud. Ça, c'est le foulard de Renaud. Et ça, c'est le foulard de Renaud. Parce que déjà, ça, il faut le faire. Et Renaud, il n'a pas le sien. Mais non, t'as pas amené le tien. Et non, parce que je l'ai mis autour du cou du chien et il l'a dévoré. Il l'a bouffé. Alors, tu te rends compte qu'on a le foulard de Renaud, ils sont venus chacun avec un foulard, et toi, tu t'es fait manger ton foulard. Ouais. Alors maintenant, voici tes interprètes. C'est leur premier concert, les parents sont dans les premiers rangs, l'œil inquiet, n'ayez pas peur, tout va bien se passer. Et nous allons accueillir sur scène Mademoiselle Anne-Suzy qui gagne le plateau. Sous vos applaudissements. Anne-Suzy, comment tu le trouves, Renaud ? Beau. Tu es beau ? Est-ce que tu te marierais avec Renaud ? Non. Pourquoi ? Parce que moi, j'ai petite alors. Eh ben oui, elle est trop petite et puis il y a quand même une certaine différence d'âge. Quel âge tu as, Anne-Suzy ? 4 ans. Fais voir, tu es grande pour 4 ans. T'as pas un peu plus ? Oui. Quel âge tu as ? 4 ans. 4 ans. Je n'en ferai pas. Qui est-ce qui est grand dans ta famille ? Ton papa, ta maman ? Tous les deux, ton papa est grand ? Oui. C'est un beau garçon ? Oui. Qui se lève ? Les beaux hommes doivent se montrer. Où il est le papa ? Il travaille. Il travaille ? Oui. Qu'est-ce qu'il fait comme métier ? Il est poissonnier ? Ben, il faut que je passe dans une poissonnerie tout à l'heure parce que j'ai envie de faire du poisson ce soir. Tu aimes ça, poissonnier ? Oui. Qu'est-ce que tu connais comme poisson ? Les petits. Oui, mais tu connais un nom de poisson ? Oui, mais aussi ils sont tout petits, ils ont des queues, ils peuvent nager. Eh oui, bien sûr. Tu sais nager, toi ? Oui. Fais voir comment on fait avec les bras quand on nage. Et avec les pieds, comment on fait ? On met les pieds derrière, on se fait comme ça. Mais pas. C'est toujours bon à prendre. Est-ce que les poissons nagent comme nous ? Non, ils nagent avec des mains comme ça. Ils ont des mains, les poissons, ils font comme ça. Et ta maman, elle ne vend pas le poisson ? Non. Qu'est-ce qu'elle fait ? Elle fait à manger. Tu fais à manger, toi ? Est-ce qu'on mange bien chez toi ? Oui. Fais voir si tu as la tête à bien faire la cuisine. Ouais. Qu'est-ce qu'elle fait de bon, ta mère ? Elle fait des tomates, elle fait des... Elle fait des tomates et puis elle fait de la viande et puis encore elle fait des spaghettis. Des spaghettis. Le poisson, tu le fais pas cuire, toi. Tu sais pas faire. Alors, si elle se fait cuire. Comment on fait cuire le poisson ? On met à chauffer et puis après on le mange. Faut couper la peau. Faut couper la peau du poisson ? Oui, parce qu'on mange pas la tête. Ah, ça dépend. Moi, je mange la tête des poissons. Oui, j'en mange pas parce qu'après le poisson, il a des dents, puis ça mord la langue. Si tu manges la tête du poisson, ça te mord la langue. Eh bien, ça, il faut le noter, voyez-vous. Parce que les adultes ne sauront jamais ça. Qu'est-ce que tu vas chanter ? La chanson de Renaud. Elle va chanter la chanson de Renaud. Et puis elle ne m'en dira pas plus, mais tu vas la reconnaître tout de suite, Renaud. Vas-y. Quand... La maman Poupada qui est sortie de son bus Volkswagen, qui avait garé le minoc devant Moral, j'ai dit à Bob qui était au film, viens voir le marché qui te ramène, si ça dégaine, car il a de passion. Le gosse, le guide, je retourne dans la poche. Arrête, Krishna, mort. Je peux ouvrir, oreille percée. Tu vas voir dans le cou. Tu vas voir à tous les coups. Ils veulent nous taper sans bas. Pour se barrer à quatre doux. Mais pas avant qu'il puisse dire un mot. Je chope mes papas le dos. Et je lui dis, toi tu fais le rang. Depuis t'as rien à foutre dans mon monde. Arrache-toi tes bottes, ma bande. Casse-toi, tu fuis, ma chaleur. Tu l'as reconnu ? Tu l'as reconnu ? Bien sûr, c'est Marche à l'ombre. C'est Marche à l'ombre. Tu l'as très bien chanté. Qui te l'a apprise ? Mamie.
Et où elle est, mamie? Elle n'est pas là. C'est toi qui chantes les chansons de Renaud, hein? C'est vrai? Mais t'es superbe. Chante-moi un petit peu. Comment tu t'appelles, mamie? Marguerite. Tu connais Marguerite dans cette chanson? Écoute. Quand Baba Poule, Paddock est sorti de son bus Volkswagen. Oh, quelle est traqueuse, mamie! Tu as très bien chanté, chérie. Il est très content, Renaud. On donne une bonne note. On donne une bonne note. 10, 10 et 10 et 10, 4 fois 10 font 40. Tu es élu au premier tour. C'est le dimanche des cantonales. Tu le connais? Eh bien, bien sûr. Lui te connaît, il t'aime bien et il connaît tes chansons. Alors tu vas venir sur le plateau et le public va t'applaudir de confiance. Tu es vraiment très beau, Antoine. Et alors, tu as des yeux. J'aime autant te dire que si tu gardes des yeux comme ça, les filles vont tomber comme des mouches. Tu regarderas les filles et tu feras bonjour et elles font oh, plaf. Quel âge tu as ? Bonjour. Va tomber, quoi. Tu habites Paris ? Là. Où est-ce que tu habites ? À Rennes. À Rennes, c'est en Bretagne, ça. Hein? Quand même, des capitales comme ça. Alors, est-ce que tu es venu avec ta famille? Il y a des Bretons parmi nous. Oui, tu as tout de suite compris qu'il y avait des Bretons. Ouais. Tu es Breton? Je suis venu avec ma maman, mon frère et moi. Bon, moi, j'ai plus rien à faire dans cette émission. Hein? J'ai même plus le droit de poser les questions. Les gosses connaissent mieux l'émission que moi. Alors... Ma marraine, mon tonton et la cousine à ma marraine. Je savais qu'un jour on me faucherait ma place, mais je pensais pas que ça arriverait aussitôt. Alors, avec maman, où elle est maman? Ici. Où tu es maman? Bonjour. Combien, avec qui tu es venue alors? J'ai déjà dit. Oui, mais... C'est ouais. Vrai, écoute un peu quoi. Mais je sais bien, mon père, je peux pas tout faire. Répète-le-moi parce que je suis un peu vieux, un peu sourd aujourd'hui. Ma maman, oui. Mon frère, ma marraine... Mon tonton et la cousine à ma marraine. Eh ben ça y est, j'ai tout compris, tu vois. Si je suis un peu attentif, il a l'air sympa ton frère. Non. Pourquoi il est pas gentil ton frère? Non, parce qu'il me tape, il me fait des croche-pieds. Viens là, toi. Viens, comment il s'appelle? Julien. Viens, fais voir, viens là. Viens voir un grand gaillard, regarde ce grand gaillard de 2 mètres, viens là. Viens me voir, on applaudit, monsieur dame. Dis donc. C'est celui-là qui te donne des coups de pied? Oui. C'est vrai? Ouais, un petit peu. Et lui, il te frappe? Ouais, il fait que ça. Ah, bah toi aussi, tu lui files des coups, tu vois? Ah, mais moi, je suis pas plus fort que lui. Oui, d'accord, mais il faut pas battre un petit garçon si fragile. Fais attention, tu peux à peine marcher, regarde. Oh là là. C'est lui qui est le plus fort. Oh, c'est lui qui est le plus fort. Dis donc, boutonne ta braguette, parce que dis-donc, si jamais on te vole l'oiseau... Bon, ça fait rien, c'est coincé, hein. Comme ça, sera plus facile pour y aller la prochaine fois. Non, c'est coincé. Non, c'est pas coincé, moi, je peux la rattraper. Ça nous arrive aussi, hein, oui, Renaud, hein. Oui. Qu'est-ce qui t'a appris ta chanson? Julien. C'est Julien. Tu la connais, la chanson? Ben alors, reste... Viens là, Julien, reviens. Et maman. Et maman. Ne bougez pas. Viens, Julien. Quelle chanson vous chantez? Ma gonzesse. Ma gonzesse, dis donc. Qu'est-ce que c'est une gonzesse? Je ne sais pas. Eh ben c'est bien. Allez-y. Comme à la maison. Malgré le blouson tourné sur mes épaules de velours, j'aimerais bien parfois chanter autre chose que la zone. Un genre de chanson d'amour pour ma petite Amazone. Pour celle qui tous les jours partage mon cassoulet, ma gonzesse, celle que je suis avec ma princesse, celle que je suis son mec. Oh, oh. Vachement bien, il est super ton frère, dis donc.
Il est super. Oui, vous donnez-lui une bonne note. Anastasia, toi qui es merveilleusement dans la lune, donne-lui une très bonne note à ce garçon. Vous posez vos petites plaquettes et puis c'est à toi, Majesté. La ravissante Jennifer, musique impériale. Jennifer, est-ce que tu fais de la danse? Non. Tu devrais faire de la danse. Tu es une très jolie petite fille. Est-ce que tu veux tourner un petit peu que je vois ta robe? Regarde. Encore un petit peu. Encore un petit peu. Finis ton tour. Tu as une très jolie robe. Est-ce que c'est la première fois que tu la mets? Non, ma maman me l'a achetée. Oui, mais c'est la première fois que tu la portes. Non. Non, elle est comme neuve. Les chaussures sont neuves. Hein? Oui. Ah oui, ça, je vois que les chaussures n'ont jamais servi. Fais voir, regarde derrière. Levons le talon. Ah oui, je m'y connais. Quel âge tu as, Jennifer? 5 ans. Est-ce qu'on t'a déjà dit que tu avais de très beaux yeux? Oui. Faudra vous méfier dans la famille, hein? Tu habites Paris, Jennifer? Oui, Paris-Saint-Denis. Paris-Saint-Denis, c'est près Paris, c'est très beau. Il y a une très belle cathédrale à Saint-Denis. Tu as été visité? Non. Ben, tu iras, tu demanderas à ton papa de t'emmener à la cathédrale de Saint-Denis, c'est là où sont enterrés tous les rois de France. Tu vas en classe, Jennifer? Oui. Est-ce que ta maîtresse est gentille ou sévère? Oui, elle est gentille. Elle est gentille, elle ne donne jamais de punition? Non. Comment elle s'appelle? Marie. Tu es venue avec qui, Cathy? Mon papa et puis maman et Jackie. Elle est drôlement belle, Jackie. Qu'est-ce qu'il fait, papa, comme métier? Il est boxeur. Heureusement que j'ai pas dragué sa femme, hein. Oui, hein. Comment il s'appelle ton papa, son petit nom? Jean-Paul. Jean-Paul, tu te lèves pour nous faire voir le beau boxeur que tu es? Ben viens jusque là maintenant que tu as fait la moitié du chemin. C'est vrai? Vous êtes boxeur? Quelle taille, dis donc! C'est un super boxeur. Vous êtes quoi, moyen? Mi-lourd. Mi-lourd déjà, ça fait quel kilo ça? 90 kilos. Ah, vous êtes un peu plus gros que moi. Mais enfin, vous faites 2 têtes de plus que moi. Eh ben, quand c'est votre prochain combat? L'année prochaine. L'année prochaine? On viendra vous voir. Comme vous voulez. Tu vas à la boxe, Renaud? Jamais, non. Jamais? J'ai jamais eu l'occasion. Eh ben, on ira le voir? Bah tiens. Bah tiens. C'est comment votre nom en entier? Jean-Paul Bakanikina. C'est marrant, toutes les fois que j'ai approché un boxeur de près, je suis toujours tombé sur des gens doux et tranquilles. Hein. On croit que ce sont des gens qui pensent... Non, vous êtes très calme. Non, très calme, comme un agneau. Voilà. Eh bien, vous allez vous... Donc, tu l'as vu ton papa boxer? Non. Mais tu iras le voir dans un an. Et maman, qu'est-ce qu'elle fait? Elle le boxe? Le théâtre. Tu fais du théâtre? Ah, mais c'est un couple d'artistes, ça. Et ta tante? Je sais pas. Tu sais pas, oui, on sait jamais. Et qu'est-ce qui t'a appris la chanson? Maman. Très bien, bah oui, vous faites vraiment du théâtre, voilà. Très bien, c'est parfait. Et toi, qu'est-ce que tu veux faire quand tu seras grande? Chanteuse. Chanteuse. Eh bien, je te souhaite un jour d'arriver dans notre profession. Tu sais, c'est un métier bien agréable. Qu'est-ce que tu chantes? La pêche à la ligne. La pêche à la ligne. Écoute, la pêche à la ligne, chantée par la petite. C'est à peine l'horreur et je tombe des plumes. Mon amour dort encore du sommeil de l'enclume. Je la laisse à ses rêves où je tue sur ma part. Marlot Bordeaux l'enlève, qu'est-ce que je foutrais là? Sur un cheval sauvage, ils sont vos ridicules. Dorian orage, ils sont mouillés ses vues. Moi j'affûte mes gaules pour partir à la pêche. Musette sur l'épaule, saucisson et bière fraîche. Moi je plane absent tout en haut d'une branche. Je tire sur le nylon, mais oui, une phalange. Et je sors. Eh ben vas-y, continue, mon et chéri. Et je sors une étruite de moi sur 20 kilos. J'ai pitié trop petite, je la rejette à l'eau. J'emmènerai dimanche, si je peux, la gamine. S'en mêler dans les branches, à la pêche, à la ligne. Ben dis donc, elle chante bien, hein? Ah, on peut lui donner une bonne note, hein? Et avec les gestes, en plus. Avec les gestes. Je suis sûr que tu ne fais pas les gestes. J'en fais moins, mais... Eh bien, écoute, je vais te dire, je dis ce que je pense. Je ne veux pas t'encourager, hein. Mais je vais dire que tu chantes juste. Je veux dire un
bonjour à maman René, à Tati Ginou et à Magali. Eh ben c'est fait, tu vois, mais si tu le disais en regardant dans la caméra, là, eh ben ça passerait plus vite. Je dis bonjour à maman René, à Tati Ginou et à Magali. Eh ben là c'est mieux passé, tu vois. Est-ce que tu la connais cette chanson? La pêche à la ligne? Ouais, par cœur. Par tu te souviens de tes chansons par cœur? Oui. Toutes? Non, pas toutes. Mais celle-là, tu la connais? Celle-là, c'est une... Tu viendrais la chanter avec elle pour voir ce que ça ferait? Chiche, allez, viens. Tu te mets juste à côté, là, et vous chantez à deux voix. Vas-y. C'est à peine l'aurore et je tombe du plume. Mon amour dort encore du sommeil de mon plume. Je la laisse à ses rêves où je ne suis sûrement pas. Par mon bandeau l'enlève, qu'est-ce que je foutrais là? Sur un cheval sauvage, ils s'en vont ridicules. Dehors, il y a un orage, ils sont mouillés, c'est nul. Moi, j'affûte mes gaules pour partir à la pêche. Musette sur l'épaule, saucisson, bière fraîche. Le jour avance un peu, mon amour se maquille. Un œil et puis les deux, c'est futile, mais ça brille. Qui veut-elle séduire? Je suis même pas là. Je me tue à lui dire qu'elle est mieux sans tout ça. Que ses yeux sont plus clairs quand ils sont. Je connais pas la suite. Non, mais elle c'est déjà bien, elle connaît. Non, mais elle t'écoute, elle couplet. T'écoute. Parce que quand tu chantes, ça va t'étonner peut-être, mais on écoute parce que cette chanson est follement poétique. Et donc, même les petites filles sont sensibles, elles ont raison. On applaudit très très fort cette charmante demoiselle à qui l'on va donner de bonnes notes. 10, combien tu donnes, toi? Tu donnes 10, toi tu donnes 10 et toi tu donnes 10. C'est à toi, Michael, et attention, on y va. Vas-y, tu y vas tout seul, carrément. Michael, mesdames et messieurs. Tu es obligé, dans la semaine, de racheter un foulard. Oui. Non, parce que c'est pas possible. C'est vrai. Michael, tu as quel âge? 5 ans et demi. Oh, mais tu es un grand garçon, et alors. Demi. Et demi, 5 ans et demi, ça change tout. Tu habites Paris? Non. Tu habites où? À Romagna. À Romagna. Je sais pas où c'est. Je te dirai honnêtement que je sais pas où c'est. Ne te fais pas mal, toi. Tu peux glisser. Tu sais où c'est, toi, Romagna? Dans le Puy de Dôme. C'est dans le Puy de Dôme, me dit le contrebassiste. C'est-à-dire que c'est en Auvergne. De quoi? Que Romagna, ce serait en Auvergne. Non. Tu as fait un gala, Romagna? Non. Tu n'es jamais passé? Jamais. Tu es sûr que tu n'as jamais chanté à Romagna? J'ai chanté en Auvergne, j'ai chanté dans le Puy-de-Dôme, oui. Romagna. C'est un tout petit village ou c'est une grande ville? C'est un petit village ou c'est une grande ville? C'est dans un petit village. C'est un petit village. C'est pour ça. Mais je suis sûr que tu t'y es arrêté pour boire un coup. Peut-être. Peut-être. Tu connais, toi, Romagna? Tu peux nous dire d'autres choses sur Romagna? Il y a une église. Il y a une église, voilà. Il y a une église et une grande rue avec le boulanger. Oui. Oui, c'est ah bah Romagna. Oui, effectivement, j'ai chanté déjà là-bas. Voilà, bah tu la connais. Il y a un bureau de tabac. Oui. C'est Romagna. La bouchère... est un peu grosse. Oui. Oui, c'est ça. Et la boulangère est très bavarde. Oui. C'est Romagna. C'est Romagna. Et le curé est gentil? Oui. Tu le connais? Non. Tu vas pas? Tu vas pas à l'église? Non. Non, mais c'est normal qu'ils connaissent pas le curé s'il va pas à l'église. Et tu es venu tout seul? Non. Avec qui? Ma maman, mon papa, il lève le mon doigt. Pépé, bonjour, ma pépé. Mémé, mon tonton, ma tata, ma tati. Ma tati et ma tata, il n'y a plus personne à Romagna. Toute la ville est là. C'est un beau village? Oui. Je dois connaître. C'est dans la montagne? Oui, non. Non, enfin, entre les deux. C'est dis près donc, de Clermont, c'est ça? C'est près de Clermont-Ferrand. Ton père, là, c'est le gamin. Écoute, regarde, des pères de famille... Écoute, c'est incroyable. Lève-toi. Lève-toi. Regarde ça. On dirait à peine qu'il sort du lycée. Et déjà, il a 2 enfants. 4 enfants. Mais tu as commencé. Mais c'est le Mozart de la culotte. À quel âge tu as commencé à faire des bébés? 21, 22. 21 et 22, tu as commencé à faire des enfants. C'est agréable, hein? Oui.
Et, là, il n'y a pas beaucoup de distractions en Romagna, alors. Ben, c'est pour ça. C'est pour ça. C'est ta femme? Vous êtes drôlement belle. Heureusement que vous n'êtes pas dans une grande ville, parce que vous feriez draguer toute la journée. Vous pouvez pas savoir comme c'est les dragueurs dans les villes. J'en connais même qui chantent. Non, c'est pas, je dis pas ça pour toi. Hein. Non. Et qu'est-ce qu'il fait comme métier, ton papa? Il fait des maisons. Il fait, ben voilà, il fait du béton. Oui. C'est ton frère? Oui. Comment il s'appelle? Anthony. Il est gentil? Oui. Tu t'occupes bien de lui? Non. Non, ben on va vous jouer avec. Tu joues avec lui? Oui. Il t'embête pas trop? Si. Ah oui, c'est toujours ça, les frères. Et alors, quatre enfants, alors, c'est dire qu'il y a des petites sœurs? Oui. Elles, hein? Elles sont restées à la maison? Non. Elles sont là? Non, ils sont allés chez ma... Chez une copine? Chez tata. Ils sont en petit, mais tu as une génération de tata. Maman travaille aussi? Non. Ah bah non, et à manger pour quatre enfants, ça fait cinq lits à faire tous les jours, ça fait du parquet, ça fait... Elle a une machine à laver, ta maman? Oui. Tant mieux. Quelle chanson tu as apprise? Morgane de toi. Morgane de toi, tu parles ce que je la connais, celle-là. C'est maman qui la chante? Non. C'est papa? Oui. C'est toi qui chantes Morgane de toi? En faisant tes maisons? D'accord, on va voir. Vas-y, il t'écoute l'autre. Y'a Mario, t'as au moins 4 ans, tu veux piquer ta pelle et ton seau, ta couche culotte avec des bombes dedans, Lolita, défends-toi, fouille un coup de râteau dans le dos. Faire emmerder par les petits radios qui pensent qu'à une chose. Je joue au docteur non conventionné. J'y joue aussi, je sais de quoi je cause. Je connais bien les playboys des bacs à sable. Je draguais leur mère avant de connaître la tienne. C'est une écoutille. Porter leur cartable. Moi je suis là, je te regarde et que je t'aime. Lola, je suis qu'un fantôme. Quand tu vas, où je suis pas, tu sais, maman, je suis Morgane de toi. Bah dis donc, c'est super, super. T'as vraiment bien chanté. Je te jure que t'as vraiment bien chanté. On donne une note. Dis, c'est toi, combien tu donnes, petit? Voilà, tu as le maximum, tu as 40 points. On te reconduit sous les applaudissements, tandis que la dernière candidate arrive, princesse, quand vous voulez. Tu veux les jolies chaussures. Tu es vraiment belle. Tu veux que je baisse un peu le micro? Elle a belles chaussures aussi. Elle est belle. Elle est belle. Tu peux regarder, elle est belle. Tu peux tourner, elle est belle. Tourne un petit peu qu'on voit. Tu es très belle. Mais carrément, tu fais un tourbillon. Tu es très belle. Tu as un fiancé? Tu as raison. Quel âge tu as? 4 ans. 4 ans et demi. Ben dis donc, tu fais beaucoup plus, hein. Tu es une grande fille. Tu as 4 ans et demi. Où est-ce que tu habites? 4 ans. 4 ans. Non, il ne faut pas se tromper de 6 mois. Où est-ce que tu habites? À Genasse, à côté de Lyon. Eh bien, ma petite fille, regarde-moi bien. En 1943, tu n'existais pas. Tu n'étais même pas un petit bout comme ça. En 1943, j'étais à Genasse, chez mes cousins qui tiennent la boucherie. Je ne suis jamais retourné à Genasse. Est-ce que ça a changé? Il y a toujours l'église? Je crois. Oui. Faudra vérifier. Il y a toujours la place? Avec l'hôtel, la boucherie et au bout du village, l'école? Ouais, ben c'est Genasse dans le Rhône. Tu es venu avec tes parents? Oui. Où ils sont? Celui qui n'a pas de cheveux. Tu dis qu'il n'a pas de cheveux, tu exagères. Non, tu exagères. Parce qu'il les a coupés. Elle est blonde. Oui, ta maman, je la vois, elle a des cheveux. Mon petit frère. Il est drôlement joli, ton petit frère, et puis il en a marre d'être assis, ton petit frère.
Et puis, celle qui est à côté de mon papa, elle s'appelle Ophélie, c'est ma cousine. Eh bien, Ophélie, tu en as de la chance, et dis donc. Et à côté, c'est ma mamie Monique. Salut, Monique. Et à côté, c'est ma mémé Miquette, et à côté, c'est mon pépé Maurice. Eh bien, je vais te dire, mémé Miquette, tu fais pas du tout mémé, Miquette. T'es superbe, fais voir. Elle est superbe, Miquette. Et qu'est-ce qu'il fait ton papa comme métier? Je sais pas. Me dis pas qu'il est coiffeur, ou alors vraiment c'est pas possible. Qu'est-ce que tu fais? Comment il s'appelle? Il s'appelle Pierre-Yves. Dis donc, Pierre-Yves. D'abord, c'est pas vrai que t'as pas de cheveux, c'est les méchantes langues qui disent ça. Non, t'es bien. C'est un peu dégarni, mais c'est la coupe de printemps. Qu'est-ce que tu fais comme métier? Nous fabriquons des coupoles de toiture. Ah ben oui, je t'en ai pas fait une pour toi, non? Des coupoles de toiture. Elle est superbe, c'est infâme. Bonjour, qu'est-ce que vous êtes jolie. Et particulièrement, il faut dire que les Lyonnaises sont jolies. Hein, et les Lyonnais sont très beaux. Vous travaillez aussi? Oui. Qu'est-ce que vous faites? Je suis pédicure. Ah, c'est important. En somme, lui c'est la tête, toi c'est les pieds. Voilà, très bien. Et toi, qu'est-ce que tu veux faire quand tu seras grande fille? Je veux faire vétérinaire. Ah, et c'est pourquoi bien, tu veux faire le vétérinaire? Parce qu'on soigne les animaux. Est-ce qu'il y a toujours des animaux à Jonas? De mon temps, il y avait des vaches. Des chiens et des chats. Il n'y a plus de vaches? Non, parce que c'est l'hiver. Mais c'est bientôt le printemps. Il y a des vaches au printemps seulement? Je sais pas. Il n'y a plus de vaches à Jonas? Oh, les salauds. Ils ont même enlevé les vaches. Non, mais c'est des mammifères migrateurs, ça. Oui, c'est des migrateurs. Ils partent en septembre, ils reviennent... C'est joli. Il y a encore de la campagne autour? Ah bon? Oui. Je vais jamais revoir les enfants. J'habite à la campagne. Ah ben alors ça va, c'est que ça n'a pas bougé. C'est toute mon enfance, tu sais ça. Qu'est-ce qui t'a appris ta chanson? Maman. Et quelle chanson elle t'a apprise? En cloque. Quoi? En cloque. En cloque. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire qu'il y a un bébé dans le ventre. Eh ben c'est exactement ça. En cloque, on dit. Oh, là, hey, c'est charmant, c'est une expression très poétique. Eh bien, nous allons écouter En cloque. Vas-y, toi. Avec ses cheveux en brosse, elle trouve qu'il est beau dans la chambre du gosse. Bravo, déjà les petits anges sur le papier peint. Je trouvais ça étrange, j'ai rien, elles me font marrer ces idées. Depuis qu'elle est en cloque, elle se réveille la nuit, veut bouffer des fraises, elle a des envies baleines. Ah, je t'adore, viens là, c'est adorable. Et je suis très content qu'à cette occasion où le texte de Renaud passe par la bouche d'un enfant, on s'aperçoit que c'est de la vraie poésie et que ça nous émeut et que ça nous touche et qu'avec ses mots à lui, eh bien, on découvre là le poète. On n'est pas distrait par l'orchestre, tu vois, et on entend ton texte, tes textes, qui sont vraiment très beaux. Je te le dis comme ça, merci. J'ai rien à te vendre, je le dis pour le plaisir. Voilà, Anastasia, t'as très bien chanté. Je pense que tu vas être récompensée. Tu t'assures, on donne une bonne note. Voilà, tu as évidemment le maximum, plus 10% que tu viens de te rajouter. Anastasia, Michael, Jennifer, Antoine, Anne-Suzy, voici maintenant les jouets pour vous. C'est les parents qui les porteront, ne vous faites pas de soucis. Les magasins Jouets Club savent quelle affection les petites filles vont prodiguer à ces poupées assorties de leurs ensembles de change complets. Pour les garçons,
toujours très ingénieux, voici des vaisseaux à construire, des circuits auto à installer. Chic, les papas vont se marrer. Et pour tous, de tendres lapins en pluche. Et puis, il y a tout le reste. Et tout le reste, c'est Renaud qui l'a apporté, qui fait le Père Noël pour nous. Merci, Renaud. Merci aux enfants et à vous. Alors maintenant, regarde bien. Nous allons découvrir, avec notre huissier de service, Maître Petet, le gagnant du jeu Télé 7 jours de la semaine dernière. Maître Petet, entrez donc. Vous pouvez l'applaudir. Il est très gentil, celui-là. Maître Petet, pourquoi vous n'avez pas gardé votre plat, votre bras dans le plâtre? Ah, je l'ai enlevé, j'ai pas de plat, toi. J'ai simplement une écharpe. Une écharpe? Pour c'est maintenir mon épaule. C'est un client qui vous a tapé dessus, non? Non, pas du tout, c'est le skip. Quel est le gagnant? Alors d'abord, quelle était la question? Oui, quelle était la question? Alors. La question était la suivante. Quel est le chef-lieu de l'île de la Réunion? Tu le sais, toi? Saint-Denis. Ouais, Saint-Denis, t'aurais pu gagner le voyage. Qui a gagné? Alors il s'agit de Valérie Bouden, qui habite 32 avenue Carrière à Villatte. 31-860. Eh bien, vous avez gagné, chère madame, un voyage pour deux personnes à l'île de la Réunion, Vénarde, et un abonnement d'un an à Télé 7 jours, double Vénarde. À la semaine prochaine pour découvrir le gagnant d'aujourd'hui. Voilà, la scène est prête. Tu chantes ce que tu veux. D'accord. Laquelle? Mistral gagnant. Eh bien, vas-y. Je la connais? Bon, je pense, oui. Ouais, vas-y alors. M'asseoir sur un banc, 5 minutes avec toi, et regarder les gens tant qu'il y en a. Te parler du bon temps qui est mort ou qui reviendra, en serrant dans ma main tes petits doigts. Puis donner à bouffer à des pigeons idiots, leur filer des coups de pied pour de faux. Et entendre ton rire qui lézarde les murs, qui sait surtout guérir mes blessures. Te raconter un peu comment j'étais minot, les bons becs fabuleux. Compliqué chez le marchand, car en sac et minto, caramel à 1 franc, et les Mistral gagnants. Pas marcher sous la pluie, 5 minutes avec toi, et regarder la vie tant qu'il y en a. Te raconter la terre en te bouffant des yeux, te parler de ta mère un petit peu. Et sauter dans les flaques pour la faire râler, bousiller nos godasses et se marrer. Ton rire, comme on entend la mer s'arrêter, partir en arrière. Te raconter surtout les carambars d'antan et les cocos boères. Et les vrais roudoudous qui nous coupaient les lèvres et nous niquaient les dents. Et les Mistral gagnants. Regarder le soleil qui s'en va. Te parler du bon temps qui est mort et je m'en fous. Te dire que les méchants c'est pas nous. Si moi je suis barge, ce n'est que de tes yeux, car ils ont l'avantage d'être deux. Et entendre ton rire s'envoler aussi haut que s'envolent les cris des oiseaux. Te raconter enfin qu'il faut aimer la vie, l'aimer même si le temps est assassin et emporte avec lui les rires des enfants et les Mistral gagnants et les Mistral gagnants. C'était l'école des fans de Renaud. Merci de cette très belle chanson, Renaud. Dans quelques instants, notre émission humoristique ainsi fond. Mais pour l'heure, Renaud, eh bien, voilà. Et puis, il y a les autres, Renaud. C'est la permission que je donne à la fin.
voilà, vous pouvez remettre vos fleurs, vous pouvez voir les artistes de près, mais il faut être un enfant. Voilà, vous pouvez donner vos fleurs. Tiens, voilà. À tout de suite, je vais changer de costume. Dimanche Martin continue. Je vous garantis qu'on va pas s'embêter. Allez, viens.